Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Kiro pour une nouvelle vidéo. Voilà, je commence par la politesse comme ça, voilà c'est bien. Aujourd'hui, comme vous l'entendez sûrement, j'espère, j'ai un micro. Et du coup, vu que je voulais ça, vous montrer que j'avais un micro, mais que je savais pas quoi faire avec, à part vous dire, et regardez, j'ai un micro. Bah du coup, je fais une vidéo présentation. Et oui, je sais, le décor qui est là, il est pas terminé. Je suis en train de faire prendre tous les projets que j'ai pour ce truc là. Et je suis en train à peu près de le créer. Je sais, ça va faire très longtemps que je suis en train de créer le décor. Je suis désolé. Désolé. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. C'est à ce moment que Momo a su, il s'est viandé. Du coup, le micro que j'ai, je vais vous le montrer. Attention, par contre, le son va être bizarre. Yo, tout le monde, c'est Squeezie. Alors, là, vous avez entendu un bruit bizarre, oui. Alors, c'est ce micro de la marque Fifine. Comme vous pouvez le voir sur la boîte. Franchement, les gars, essayez de trouver un meilleur nom vu que Fifine ou Fafarine. Je sais pas. On va appeler ça Fifine. Alors le micro, c'est un micro extrêmement simple. Là, vous m'entendez normalement, pas normalement. C'est un micro à condensateur. Donc, il faut vraiment rester dans la ligne du micro parce que sinon ça marche moins bien. C'est pas un défaut, c'est le micro qui est fait comme ça. Sinon, il y a aussi un petit truc de volume ici. Ce qui fait que par exemple, là, je parle. J'aurai tous mes abonnés et oula, je vais essayer de pas trop le manipuler parce que ça fait vraiment bizarre. Et sinon il est tout en métal, ce qui fait que bah ça a l'air un peu plus pro je pense. Mais sinon ils ne vendent pas que le micro, ils vendent aussi ça. Ça vous dites mais qu'est-ce que c'est ça, c'est un truc pour masser la tête comme ça? Est-ce que ça masse la tête? Je ne pense pas. Non. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes quoi. Faut voir la tête. Ça fait même pas un très bon chapeau. Du coup ça c'est un pied, enfin un trépied. Bruit bizarre dans pas longtemps. Désolé si j'ai tué vos oreilles. Du coup. Hop. 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 Je le pose. Et voilà, là il est parfait. Du coup je sais pas vraiment ce que j'ai d'autre à dire. Écoutez, il y a une très bonne qualité par rapport à son prix qui est de 45€ si je me souviens bien. Par contre le problème c'est que je ne crois pas qu'il soit possible de le mettre sur un pied, ni même sur un bras ou un pied ou une jambe ou une tête ou une guenon, je ne sais pas. Mais ça c'est mon tout premier micro, du coup je pense que je vais le chérir. Par exemple la boîte là, je pense que je la garderai en décor. Maintenant que j'y pense, je devrais mettre des trucs dans le décor. Mais je sais pas quoi mettre. Ça va devenir mon décor temporaire, ça, je pense. Ou alors je vais continuer à faire mes vidéos sur mon lit, c'est comme vous voulez. Tiens, dans la description, je vais mettre un sondage, vu que oui, je n'utilise plus les sondages YouTube, vu que je n'y tiens plus, vu que apparemment ils vont supprimer. J'ai pas suivi là-dessus, mais bon. Énorme fail. Tu vas finir ici. Ouais, non, j'aime bien cette ambiance-là. Bon, je suis assis sur mon lit comme un gros tas. Et si je veux, je peux taper une sieste. Par contre, je l'aime bien. Bon, ça fait très bizarre de tourner une vidéo sur son lit, mais bon. J'ai rien d'autre. À part mon truc là. Et bah, je pense que cette vidéo est terminée. Bah, j'ai rien d'autre à dire, désolé. Mais on s'en fout totalement. Genre, on s'en bat les couilles. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez également le petit like des familles. Ou pas des familles, il doit être orphelin, je pense. Allez voir mes réseaux qui sont dans la description. Discord, Instagram et Utip. Et sinon, je vais aussi mettre le lien Amazon du micro dans la description. C'était Kiro29, Kenavo. Kenavo, comme on dit chez moi.